Chouette, aujourd'hui c'est Halloween. On va rester caché ici, puis on va sortir en criant de toutes nos forces. Mais qu'est-ce que je dois crier déjà? Surprise! Ce serait beaucoup trop facile. Et si je dis plutôt cornichon? Elle n'imagine pas que je vais crier cornichon. Allez, on y va, Cupcake. Je crois qu'on va bien s'amuser. Que ça va être un costume magnifique, Vermiciel. Mon costume préféré d'Halloween, c'était une tenue de danseuse classique. Moi, une fois, je me suis déguisée en boulangère. Moi, j'avais un très joli costume de brebis le plus doux du monde. L'année dernière, moi, j'étais une boîte. Moi, j'étais déguisée en licorne du pays des rêves en couleurs. Coucou, moi, c'est Rainbow Kate. C'est mon premier jour à l'arc-en-ciel Kindy. Très heureuse de vous rencontrer. Les Kindy Kids, j'ai quelque chose à vous dire. Aujourd'hui, nous allons accueillir une nouvelle camarade. Oh. Mais Madame Ciela, elle est déjà avec nous. Oh, déjà? Bonjour, Rainbow Kate. Bonjour. Bienvenue à toi. C'est le jour d'Halloween et on allait commencer à jouer à... Elle a dit le mot jouer. Ça veut dire qu'on va danser et gigoter. C'est facile avec un peu d'entraînement. Pas de problème, quand je danse, je suis aussi pétillante que l'arc-en-ciel. Oh. Est-ce que ça va? Comme sur des roulettes. Waouh, c'est pas vrai. Hé, mon tiroir, attention. Je resterai bien avec toi, mais on va s'amuser à créer un bonbon moisseur et ça me plaît. Au revoir, tiroir. Un bonbon moisseur, frigourson. Voyons voir ce que j'ai. Ouais. Merci. Le verre c'est super et la laitue c'est très goûtue. Wouhou. Un bonbon Wassard. Choisis un ami gourmand. La nouvelle est un vrai petit paquet de nerfs. Elle déborde d'énergie, vous trouvez pas? Et dire qu'on trouve souvent que j'en fais trop. Est-ce que vous voulez entendre mon plus joli cri? Sinon, je peux aussi vous montrer mes sautillements méga magenta. Ou alors, si vous préférez, je peux crier, sautiller en même temps. Je crois qu'on va devoir y réfléchir. Oh, d'accord, je comprends. Je vais aller jeter un œil à la chasse de l'amitié. Oh, j'aurais jamais imaginé qu'il y avait des personnes aussi fatigantes que Rainbow Kate. Salut les Kindy Kids! Comment ça se passe avec Rainbow Kate? Elle en fait beaucoup trop, frigourson. On dirait qu'elle ne va jamais s'arrêter. Jamais. Et elle est encore plus bruyante que moi. Vous savez pourquoi j'adore les arcs-en-ciel, les Kindy Kids? Un arc-en-ciel accueille toutes les couleurs et leur donne à chacune une place pour briller. Chaque couleur apporte quelque chose d'unique et de spécial. Avez-vous pris assez de temps pour pouvoir apprécier la nouvelle couleur qui brille dans notre arc-en-ciel Kindy? Hey Rainbow Cake, elle est jolie ta chanson. Elle s'appelle comment? Je sais pas, je viens juste de l'inventer. Juste comme ça? Je repense à toutes les aventures hautes en couleurs qu'on a vécues aujourd'hui et c'est terminé, passé par la tête. Waouh, ça c'est trop cool. On est désolé Rainbow Kate. On n'a pas été très fort pour t'accueillir, te faire visiter, ni pour faire connaissance. Oh, c'est pas grave. Et de mon côté, je suis désolée si j'étais un peu surexcitée en arrivant. Ça faisait tellement de nouveaux amis à rencontrer d'un coup. Et chacune d'entre nous apporte sa propre couleur à l'arc-en-ciel Kindy. Dis-nous, c'est quoi ton jeu préféré, hein? Oh, je déteste la même nuit. Hein? Oh, le jeu où il faut changer des mots pour que ça dise le contraire. C'est bien faux, Rainbow Kate? Non. Oh, en vrai, tu veux dire oui? Comment s'est passé votre jeu, un bonbon ou un sort? Oh, Madame Ciela, on ne s'est pas du tout amusé. Je comprends pas très bien. Vous n'avez pas joué à un bonbon ou un sort? Madame Ciela a dit jouer. Allez, va chercher tes copains et laisse-les briller en dansant et en gigotant tous ensemble. Oh, mais oui, bien sûr, c'était le jeu du jour des contraires. Je comprends maintenant. Allons jouer.